bienvenue à cette millième communauté de pratique en sciences et technologies. François-Guy Florent et Satuc en direct de Nicolet. Je suis conseiller pédagogique au RECI FGR pour le Centre du Québec. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Commençons avec le point 3. Nouvelle de BIM, la Banque d'instruments de mesure. Donc, Barbara, qui est la représentante de sciences et technologies. Majoritairement secteur anglophone, mais bon, là aussi avec nous. Merci d'être là. Je te cède la parole si tu as des annonces, des demandes ou quoi que ce soit. Bonjour tout le monde. L'annonce que je fais tout le temps, c'est on vous demande d'envoyer vos rétros pour les épreuves. Et si vous avez des épreuves maison que vous voulez envoyer chez nous, on vous invite. Et si vous voulez collaborer avec nous autres pour élaborer des épreuves, on est là pour vous. Je vais mettre les coordonnées dans le chat. Pour donner un update pour le 4060, la version A, on a reçu des rétros pour la partie pratique, puis ils sont en cours de traitement. On devrait voir les changements sous peu. La version B est encore, le travail est en cours. La version C est finie et elle est en révision linguistique et après ça, elle va être traduite en anglais. Et il y a une version D qu'on travaille avec le secteur anglophone. Quand c'est fini, tout le processus, ça va être traduit en français. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours rien en bio de commencer, Barbara? Non, on n'a rien reçu. Puis, pas d'équipe. Comme vous savez, le prototype n'est pas encore sorti. Puis, mais si vous avez. On ne peut pas vraiment mettre une version C avant le prototype est sorti. Mais si vous avez des épreuves maison, plus tard, on peut travailler avec vous. Ouais, merci beaucoup, Barbara. Il ne semble pas avoir de questions dans l'assistance. Yep, merci. Merci beaucoup de venir comme ça de façon récurrente. C'est bien, bien pratique et bien sympathique. Point 4, point reporté de la dernière rencontre. On avait un peu discuté le recueil tâches complexes SIT 4060. Frédéric Larochelle. Là, je m'étais comme pas préparé à ce point-là, mais il a partagé des recueils de tâches 4061, 4062. Corrigez-moi, groupe, là, il a déposé ça dans le Moodle FGA. Je vois Patricia qui fait un oui, là, très timide, mais que je détecte avec mes yeux de lynx. Donc, n'hésitez pas. Écoute, moi, j'ai ouvert ça, j'étais comme quoi? Genre 15 tâches complexes? Avec des ABC des fois, là, si jamais vous manquez de problèmes écrits, tâches complexes, peu importe comment qu'on les parle, là, qu'on en parle. Peut-être que les 15 ne feront pas votre affaire, mais déjà, s'il y en a 8 que vous trouvez excellentes, c'est déjà super. Donc, merci à Frédéric pour ce dépôt. Je sais pas si en... moi j'ai comme ouvert puis on appelle ça scroller là. J'ai déroulé. Je sais pas s'il y en a qui ont porté plus d'attention que moi, qui voudraient en dire un petit mot. Ben moi aussi, j'ai fait un peu comme toi, là. Je les ai imprimés pour les faire. Puis coche plus loin que moi. Mais juste pour regarder vite, juste la structure puis de quoi ça a l'air de. Ça a l'air vraiment de répondre aux besoins. Là. C'est juste de voir si vraiment les questions sont. Mais je crois, j'ai comme confiance que ça va répondre aux besoins qu'on a là, pour les tâches des élèves. Ça... Des fois, c'est que tu en choisis qui sont différentes de celles d'un prétest ou pour compléter un peu. Là. Puis il y en a quand même beaucoup, comme tu disais, je crois qu'il y en a 13, 14. Mon Dieu, c'est une bonne banque. Là. Ah ouais, ça fait une couple de pages. Ouais, c'est vraiment un beau travail. Good. Merci à Patricia. Donc, merci à Frédéric pour ce dépôt gigantesque. Donc, si jamais vous analysez ça ou quoi que ce soit, vous pourrez nous revenir là-dessus dans le futur. Sinon, point 5, partage du récit MST pour 4063. Donc, je vous invite à ouvrir le lien. Je peux le mettre dans le clavardage. Vous allez... Je ne dirais pas c'est quoi, mais vous allez comme avoir peut-être un petit sourire en voyant ça. J'espère que ma mémoire est bonne, mais ouais, c'est ça. Donc, c'est
classé secondaire 3, mais il y a quand même certaines notions de secondaire 4 où on peut faire des parallèles assez intéressants. Donc, voilà, j'ai vu passer ça, je ne me rappelle plus où, je me suis dit, on va leur partager ça, ils vont comprendre pourquoi. Donc, c'est tout pour ça, là. C'est une production. Sinon, point 6, ben, ça va vite aujourd'hui. Point 6, court clip sur les techniques à l'atelier ou au laboratoire, des vidéos existantes, outre blablabla, point d'interrogation. En début d'année, on a eu un genre de souci de se partager des vidéos pour la partie pratique, que ce soit au laboratoire ou à l'atelier, du fait de pandémie, tout ça, l'élève n'est pas souvent là, etc. Donc, on a eu un partage des Laurentides qui avaient fait un site avec des vidéos, tout ça, qui datait quand de 2016-2017, j'imagine. Donc, c'est pas si vieux, c'est assez récent. Je vous invite à aller voir ça. Sinon, je réitère une dernière fois ma question. Là, si jamais il y en a qui ont produit des vidéos qui enseignent les techniques ou qui pointent vers des éléments de sécurité. Là. On a on va appeler ça une session de tournage hollywoodienne de prévu vendredi matin en direct du Centre Nicolet. Donc, je me dis, si jamais des derniers partages, dernières minutes, on pourrait faire autre chose que celle déjà faite. Mais j'en comprends que la seule ressource qui existe, c'est celle des Laurentides. Donc, je vous reviens avec ça quand on va avoir fini, quand ça va être déposé sur le web. Je trouvais ça pertinent de le faire nous-mêmes, des fois, même s'il y en a déjà fait, parce que, bon, ça va être adapté à nos installations, tout ça, là. Mais, donc, ça va être nos enseignants aussi. C'est plus... C'est pas plus pertinent, c'est pas vrai, mais c'est le fun pour les élèves. Là. Mais je vous partagerai ça probablement d'ici la fin de l'année. Oui, Sylvain. Oui, bien, quand tu étais venu à notre après cours de fête, l'autre fois, je t'en avais parlé, là, qu'on avait préparé quelques-unes, mais c'était tout petit, par exemple, c'était sur la dilution et tout ça. C'est parce que moi, j'ai les fichiers originaux, parce que c'est moi qui les avais comme refait pour le technicien, pour les mettre en format, là, pour qu'ils puissent les mettre sur YouTube. Mais là, c'est plus moi qui ai le canal YouTube, parce qu'on les a juste mis en privé pour les intégrer dans nos marches à suivre. Fait que ils sont pas comme tels répertoriés, mais c'est encore... ça devrait être Frédéric Larochelle là, qu'on parlait tantôt, là, probablement, qui a accès à ça. Fait que ça serait probablement pas difficile à partager. Je suis juste pas sûr, là, à ce niveau-là, si faut que je vérifie avec mon technicien ou quoi, mais c'est comme ça, c'était du matériel qui était préparé pendant le temps école. J'imagine que ça ne doit pas être un problème de partager, j'imagine. Ah, j'ai tout ça, effectivement. Fait qu'on... Faudrait que je demande à Sébastien si d'accord. Mais ça devrait. C'était assez... en guillemets primitif. Là. Il l'avait fait avec son iPhone, puis c'est pas un pro de la techno. Là. Fait qu'il avait enregistré ça à distance avec son iPhone. Donc, on voyait pas vraiment les manipulations de proches. Puis, je peux-tu rajouter un petit quelque chose, justement, en fait, de parler de manipulation de proches? Je sais pas si tu te rappelles, j'ai présenté une petite caméra là, pour faire montrer des manipulations. Là. Une petite caméra avec un bras flexible et tout ça. Fait que je pourrais la mettre dans le chat là, pour ceux qui veulent regarder ça. Là, je vais faire un petit clip d'une minute là, pour la présenter. Puis je pense, moi, c'est en tout cas, moi, quand à la formation à distance, je m'en servais souvent avec des élèves là, pour leur montrer en direct, là, par exemple, des manipulations, juste la calculatrice pour les nombres scientifiques ou ça pourrait être des petites manipulations là, live pour des circuits électriques, des choses comme ça. Puis je pense qu'aussi, ça pourrait être utile aussi pour des capsules parce que ça permettrait d'avoir une caméra à distance pour filmer la manipulation de loin et une autre proche pour filmer les manipulations là, avec les mains. Fait que je vais le mentionner, je vais le mettre dans le chat et dans le document collaboratif, le petit lien. Là, fait que si ça intéresse quelqu'un, pour aller voir ça. Oui, s'il y en a qui veulent se procurer ou regarder à quoi ça a l'air. Super, merci beaucoup, Sylvain. On est rendu au point 7 déjà, donc si jamais vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour, n'hésitez pas. Sinon, pour le point 7, je cède la parole à notre mentor, à notre guide suprême, M. Richard Pinchot, qui est agent de développement pour les après-cours FGA, mais aussi membre du CA. De l'acquis FGA. À toi la parole, Richard.
Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, François. Oui, donc, je vous encourage à continuer. Il y a beaucoup d'inscriptions, d'une 430 inscriptions à date au congrès qui va se passer le 27-28-29. Donc, c'est toujours le temps de... 28-29-30. Oui, ça commence bien. C'est toujours le temps de vous inscrire. Vous pouvez même vous inscrire jusqu'au 30 avril de cette année. C'est en virtuel. Donc, vous pouvez choisir une journée, deux journées ou les trois jours. Il y a neuf blocs de présentation d'atelier. Donc, on a ajouté une journée cette année. Et, j'avais vu dans le document collaboratif, là, j'ai sorti 5 ateliers, à moins qu'il n'ait plus là, en sciences. Il y en a en anglais, 4 en français. Oui. Donc, il y en a un qui dure plus qu'une période, là, 411-511. Donc, je vous invite à en faire la publicité. C'est habituellement, on a 550 et 650 participants. N'hésitez pas, c'est moins cher qu'avant. Puis, vous pouvez même y aller à la carte là, au prix que ça coûte. Là. Vous pouvez prendre 3 jours puis prendre 4-5 ateliers. Là. N'hésitez pas. Donc, j'ai mis le lien. C'est la page d'accueil à laquelle vous pouvez vous référer pour voir tous les ateliers. Donc, l'atelier 601, ça a été fait en FGA Montérégie. Donc, je pense à Frédéric, entre autres, je pense qu'il était là. C'est le même atelier. Donc, petite précision. Point 8, quoi de neuf? J'écris SCG là, parce que c'est surtout, tu sais, moi, je reçois beaucoup de questions sur ces cours-là. C'est peut-être là-dessus que les profs travaillent un peu plus qu'il a été travaillé en dernier, mais ça peut être SCT, chimie physique, là, gênez-vous pas. Mais j'ai mis ça parce qu'il n'y avait pas de points, mais aussi, je ne sais pas de votre côté, là, s'il y a du développement, du nouveau, des élèves qui ont réussi, ça vous a... impressionné ou des élèves, ça n'a pas bien été, vous voulez qu'on en discute? À vous le micro. Oui, bonjour tout le monde. Je voulais juste partager avec vous que aussi dans le secteur anglophone, on fait une version du 40-60 aussi qu'on travaille dessus, fait que ça va venir aussi. Je ne sais pas si c'est version D ou E ou F, là. Je ne sais plus où on est rendu, mais une fois qu'on va finir, on va le remettre à BIM aussi. Fait que, et je suis sûre qu'il y a quelqu'un que je connais qui va la traduire, qui n'est pas présent ou qui est présent. ça, c'est ce qui s'en vient. Puis en plus, j'aimerais aussi partager avec vous que dans le secteur anglophone, on va avoir notre premier cours aussi en anglais. Et ça va être des discussions de profs en anglais qui sont aussi, qui vont partager leur approche. Mais nous, on est nouveau dans les 40, 59 et 60. C'est tout nouveau dans le secteur anglophone. Fait que c'est sûr que ça aura un impact un peu différent. Mais aussi, une fois qu'on va commencer ça, on va aussi partager avec vous tout ce qu'on va mettre en place aussi comme vidéo et tout ça. Mais ça s'en vient aussi de notre côté. Mais j'essaie de mon coin de garder ça sans son. Ben, on va faire des petites vidéos aussi, mais on va peut-être enlever les sons que vous pouvez peut-être utiliser aussi, peut-être pour compléter une fois qu'on commence une bibliothèque. Fait que ça sera bien pour tout le monde. C'est juste ça pour vous dire. Merci. Merci, Micheline. Donc, tu sais, j'ai entendu cours. On va aussi avoir un cours, mais c'est un après-cours. Donc, une discussion là, de la même façon qu'on l'a, Micheline, qui va piloter ça. Et ce que tu n'as pas dit, mais qui n'est pas un secret non plus, là, mais il y a quand même certaines commissions scolaires anglophones qui ont donné les cours SCG par cohorte. Donc, des groupes de 25 élèves qui suivent le cours SCG 4059, ensuite 4060. Donc, ils ont une autre expertise différente un petit peu. Mais entre autres, je n'ai pas encore partagé le pré-test de Jessica que j'ai traduit. Je n'ai pas pensé. Ça s'en vient prochainement. Merci, Micheline. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, des partages en lien avec un cours en sciences ou n'importe quoi en lien avec l'enseignement des sciences aux adultes. D'après moi, Patricia, tu dois avoir quelque chose à partager. Là. Non? Je réfléchissais, là. Est-ce que tu as des élèves présentement à SCG? Oui, là, j'en ai-tu... Bon, on a 2-3, là. À la fois, à peu près. Ouais. À 6 voilà, heures par semaine, ben tranquille. Ça pleut pas, là. Mais non, en général, ceux qui l'ont fait, c'était quand même
Bien, ces deux clientèles, là, c'est ceux qui ont échoué le science de 3 ou ceux qui n'ont jamais fait de science de leur vie. Là. Ceux qui ont échoué leur science de 3, ça va quand même bien, puis ça les motive, puis ils ont passé. Ceux-là, ils ont réussi, ils ont passé. Ceux qui ont plus de difficultés, c'est ceux qui n'avaient aucune notion quand même. C'est quand même des cours assez larges, là, fait que s'il y en a, c'est surprenant qu'ils n'ont vraiment aucune connaissance. Là. Tu te dis, bon, d'où... Ils ne savent pas rien, là, ils ne savent pas c'est quoi un atome, ils partent de zéro base, complètement. Là. Fait que c'est sûr qu'eux autres, là, c'est long à faire pareil. Là. Ça, c'est, ça le prend du temps. Fait que on a quelques-uns qui se sont découragés là, là-dedans. Là. Ouais, ça a été difficile de les motiver. Puis l'autre affaire, c'est que je réfléchissais, parce que la dernière fois, j'avais parlé des cours de mise à niveau, des cours de révision, les cycles de révision. Là. Puis, je ne sais pas, les informations officielles viennent d'où, mais nous autres, ils nous ont dit que c'était financé au même titre que c'est 50 heures de financement, même si c'est zéro crédit. C'est ce qui est écrit dans le guide là, des études. Là, c'est pas financé. Là. C'est ça que j'ai su, là, parce que nous autres, ils veulent vraiment qu'on mette nos élèves dans des cycles de révision quand on a la révision à leur faire faire là, pour pas qu'ils mettent 200 heures ou 300 dans un cycle. Là. Ça, tu parles autant pour secondaire 3 que secondaire 4. Oui, mais nous autres, en sciences, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y en a pas de cycle de révision. Ah, tu parles en mathématiques. Oui, en maths, okay. En français, en anglais. Ils veulent vraiment qu'on mette les gens dans des cycles de révision quand ils ont la mise à niveau, là, avant de rentrer dans leur cours. Mais nous autres, ça arrive souvent en chimie et en physique là, que les élèves, on est obligé de leur faire faire une grosse révision avant qu'ils commencent. Là. Des fois, c'est 2 mois là, quasiment avant qu'ils soient capables d'embarquer dans le livre de chimie parce que ça fait 15 ans, mettons, là, balancer une équation, puis faut partir de loin. Là. Ouais. Fait que, c'est ouais, sûr, puis tu veux pas refaire faire son secondaire 3, son secondaire 4 non plus. Là. Non, fait que on fait faire. Ouais. On a des mots. Des bouts de révision, là, mais quand même, ça compte dans leur cycle de sciences. Moi, c'est sûr que je ne sais pas trop c'est quoi l'information officielle, là, d'où elle vient, là, mais quand j'en ai parlé à ma direction, on dit non, c'est pas aucun problème avec le financement de tout ça. Puis, Mais c'est ça, ça prend des codes de cours officiels pour le faire, c'est ça? Ouais, mais il y en a des codes. C'est des codes de révision, mais c'est parce qu'on tirait zéro. C'est marqué zéro crédit. Mais ça laisse pas parce que c'est zéro crédit qu'il n'y a pas de financement. Mm-hmm. Sauf ouais, quelqu'un la dernière fois qui avait dit quand c'est zéro crédit, il n'y a pas de financement, mais ça n'aurait pas de bon sens. T'sais. C'est sûr que personne à quoi ça servirait. Là. On ne donnerait pas ça. Je suis pas au courant à zéro un spécialiste de la chose. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient renchérir sur ce point. D'accord. Ben merci. Merci Patricia. Merci Patricia. De notre côté, on a nos premiers élèves tranquillement qui cheminent. Donc, c'est ça, on s'adapte. La partie pratique, pour ceux qui prennent RP, il faut vraiment bâtir une partie pratique. Là. Ça, c'est certain. On ne peut pas juste faire le cahier RP et se dire que c'est correct. Là. Mais sinon, oui. De toute façon, sur SCG, mon Dieu, j'ai pas beaucoup d'informations parce que moi, je l'ai jamais eu. Là, on commençait à les inscrire, sauf que je trouvais ça intéressant, par exemple, parce que Patricia disait, parce que je pensais que l'idée de ces SIG-là, c'était justement de faire une certaine révision. Parce qu'avant, ces élèves-là, on les envoyait directement en carte. Là, on les envoie dans ces SIG-là, puis ça semble être quand même difficile. Ça semble qu'il manque encore des préalables. Donc, ça ne règle peut-être pas complètement le problème, finalement. Non, c'est vraiment des cours stand-alone. Là. Ça, c'est des vrais cours. Là. C'est sûr que ça prépare, mais ça va beaucoup plus loin que juste l'essentiel pour préparer au cours. Là. C'est plus large que ça. Non, mais c'est qu'il y a beaucoup d'endroits. Avant, avec les ancêtres aussi qui étaient siglés 3, on ne les faisait simplement pas. Fait que ces mêmes élèves-là, on les garochait directement en 4. Sans plus de préparation. Fait qu'en principe, le fait de faire ces sigles-là, ça devrait aider un peu à tout ça, mais ça semble encore difficile d'après ce que Patricia dit. Ben là, c'est juste mon opinion. Là. C'est sûr qu'on n'a pas un gros échantillon, mais c'est pas nécessairement un cycle de préparation. C'est pas des cycles de préparation 4. Là. Oui, il y a des notions préalables, là, comme mettons. La concentration, ou, il voit des choses, mais il voit vraiment beaucoup
Hein, il va avec la bio, avec l'alimentation, c'est vraiment large. Là. C'est sûr que c'est pas nécessairement c'est pas une mise à niveau pour aller vers le 4. Là. Mais maintenant, au secondaire, hein, ils commencent. Ben, même les jeunes, comparés à ceux d'avant, là, au primaire, au secondaire 1, ce qu'on a, ils font tout le temps les sciences au complet. Là. Ouais, fait qu'ils commencent déjà à voir le tableau périodique, la tombe et tout ça quand ils sont au secondaire, les jeunes en 1, en 2, ce qui n'était pas le cas avant. Nous autres, on faisait de l'écologie, puis quoi là, en 2. Là. Mais les élèves adultes là, qui n'en ont jamais fait, là, on dirait que ça commence aussi raide qu'avant quand ils arrivent en 4, mais là, c'est en 3. C'est pas plus facile pour eux autres. Là. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. On effleure plein de concepts. Là. C'est pas comme chimie physique où il y a peu de concepts et on va assez en profondeur dedans. Là. Ça doit être difficile, ça doit être décourageant un peu parce que déjà que le programme de sciences, la plupart des élèves le trouvent long. Donc là, d'avoir ces deux sigles-là en plus pour souvent des quatre cycles de quatre, ça commence à faire un parcours qui est très long et qui peut être facilement décourageant là, au début. Oui, bien, il faut qu'ils voient que ça leur donne des crédits optionnels pour leur DES. Puis aussi, ben là, moi, quand je leur dis, j'ai dit là, essaye pas de tout retenir, essaye pas au début, là, quand tu le fais, essaye pas de tout comprendre. Dis que tu viens de chercher un bagage de connaissances, puis des fois. Quand tu vas écouter la TV, des films, des reportages, tu vas avoir un petit peu de tout. Tu vas un petit peu d'électricité, un petit peu de bio, mais ça, c'est un bagage. Ça s'appelle science générale. Là, c'est très général. Et tu commences comme ça, puis jusqu'à on va arriver pour te préparer, on va aller chercher l'essentiel pour l'examen, parce que s'ils pensent qu'ils vont tout retenir, c'est sûr qu'ils vont faire... ils vont paniquer, là, la quantité de contenu qu'il y a là-dedans. Il là. Faut le dire de prendre ça un peu ouais. Pour s'enrichir. Là. On se rappelle le deux rencontres ou trois, là, tu sais, j'avais présenté aussi ce qui n'était pas au programme, mais ce qui était dans les cahiers. Là. Entre autres en CG 40-60. Donc, tu sais, si on se fie juste aux cahiers aussi, des fois, il y en a un petit peu trop. Mais bon, ceci dit, c'est toujours comme ça dans tous les cours de toute façon. Là. Mais, good. J'ai une question pour toi, Sylvain. Formation à distance ou peut-être Frédéric, là, formation à distance, est-ce que vous offrez là, le parcours complet, c'est-à-dire SCG aussi? Ben, je peux quand même en parler parce que c'est juste que moi, j'avais jamais eu d'élèves qui étaient, peut-être que Frédéric pourrait ajouter, là, mais essentiellement, c'est qu'on utilise. Par force, parce qu'il y a tellement pour le prof de FAD en maths sciences, il y a tellement de cycles qu'on peut pas, on n'a pas le temps de bâtir. On n'avait pas le temps, je parle au passé, donc on n'avait pas le temps de bâtir du matériel spécifique pour la FAD. Donc, essentiellement, on utilisait la même feuille de route que le régulier. Donc, on fait le même parcours là, de façon. D'ailleurs, aussi que les élèves pouvaient changer de partir de la formation à distance au régulier, là, parce que quand on le fait en maths, des fois, on utilise SOFAD pour les. À distance, puis je ne me rappelle plus lequel, là, pour un autre livre, le régulier, puis ça cause plein de problèmes. Fait qu'il y a un avantage, mais ce n'est pas nécessairement par choix autant que par obligation, parce que c'est plus compliqué de faire. C'est sûr que ça pourrait. Il devrait y avoir des adaptations qui seraient faites pour la formation à distance, là, mais je ne sais pas si je vais laisser si Frédéric a quelque chose. On a une première élève en FAD qui fait l'ISCG. Puis ça, on est vraiment à faire l'expérimental, mais c'est le même matériel que le régulier. Puis sinon, bien, ça se bouge tout le pot aux portes parce qu'en FGA, c'est possible de faire de l'informatique ou de faire des sciences. Donc, l'élève qui n'a pas besoin absolument d'avoir ses sciences, dès qu'il aura à faire les STG en plus, c'est sûr qu'il va vers l'informatique. Là. Quand c'est pas pour le cégep. On peut utiliser en grand nombre, là. C'est ça. Ah ouais, je comprends. Non, je pense que c'est un peu pareil partout. Là. C'est ceux qui font SCG, c'est ceux qui veulent aller en STE souvent. Là. Donc, Ça devient servicieux parce que comme il n'y a pas beaucoup de monde qui est fait, ben, ça ne nous incite pas à développer grand-chose pour ces cours-là. Fait que
ça devient, quand on a un élève par année dans un sigle, ça donne pas même le goût de travailler le soir et la fin de semaine à préparer quelque chose. C'est sûr. Je voyais Hugo qui hochait la tête. Là. Tu voulais parler de la formation à distance dans votre coin aussi? Oui, ben nous aussi, en formation à distance, là, on offre le parcours là, SCG, de SCG à chimie physique là, en FAD. Nous, par contre, c'est quand même impressionnant le nombre de personnes qui font les sciences. Peut-être parce qu'on en a besoin, là, je ne suis pas au courant du parcours qu'ils ont à faire nécessairement, mais en formation à distance, on a plusieurs inscriptions. Là. Moi, je vais passer à pratiquement toutes les semaines là, les inscriptions qu'on a, puis ça arrive quand même assez régulièrement. Là. Par contre, la majorité sont plus en sciences de 4 déjà. Les SCG ne se donnent pas souvent en FAD pour l'instant, mais SCT 4061, 4063, on a beaucoup, beaucoup de SCT 4063 en ouais, formation à distance, là, c'est assez impressionnant. Puis, ben nous, on utilise le matériel qu'on a pour le 4063, c'est ce FAD. Puis avec ça, on a rebâti un peu aussi tout ce qui est la partie pratique. Là, on trouvait ça un petit peu... ça ne nous satisfaisait pas, mettons. Là. Fait qu'on a rebâti un cahier maison là, pour la partie pratique. C'est Mario Drouin, celui qui était là avant moi, puis la technicienne en labo qui ont fait ça. Puis c'est ça. Mais oui, 4063, puis c'est incroyable là, la quantité de personnes qui ont ce cours-là à faire en formation à distance. Puis nous, ben, au Samar, on a toujours un Moodle qui accompagne les cours de sciences. Là, fait que ça aussi, c'est quand même assez aidant là, pour nos élèves de formation à distance. Là. De votre côté aussi, c'est le même cheminement que ce soit en centre ou à distance? Oui, exactement. On utilise le même matériel autant en présence qu'en distance. Super, merci. Merci pour ce partage. Ouais, je peux peut-être rajouter là-dessus, parce que c'est ça, là, on parlait de SCG. Effectivement, là, par exemple, en formation à distance, moi, tout ça que je faisais, SCT 4063, SCT 4064, c'est clair que c'était la majorité de la clientèle. En fait, c'était probablement même maths, sciences confondues, c'était probablement l'endroit où il y a le plus, surtout en formation à distance, à cause, il y en a beaucoup qui viennent juste chercher les préalables cégep, là, ils ont les sciences régulières, puis ils viennent chercher les sciences fortes pour le cégep. Fait que c'est comme il y a juste deux sigles à faire, c'est souvent une option. Ils vont choisir souvent l'option formation à distance. Encore là, ça aussi, on a choisi d'adapter, surtout pour les laboratoires, parce que d'avoir de suivre deux séquences de laboratoires, une en FAD, une pour les élèves en présence, c'est pas une option. Fait qu'essentiellement, la seule ajustement qu'on faisait pour les élèves en formation à distance au niveau des laboratoires, c'est qu'on leur permettait plus de les regrouper au lieu de venir nécessairement un à la fois, peut-être de réussir à les faire en deux blocs, là, tandis que les élèves en présence, généralement, vont aller les faire à mesure qu'ils sont rendus à faire les laboratoires. Mais pour le reste, c'est... Il n'y a pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de différence secondaire. C'est dire qu'on n'en faisait pas, c'est pas dire qu'il ne devrait pas en avoir eu, mais le temps ne le permettait pas. Là. Super, merci. Merci Sylvain. Donc, nous autres aussi, notre côté, on a notre premier SCG 4060 là, qui est rendu là en formation à distance. Patricia? Bien. Juste dire avant, c'est nous autres aussi, là, beaucoup les SCT, là, 4063, il y en a vraiment beaucoup là, dans le dernier mois, beaucoup d'inscriptions là, de jeunes qui viennent de soir pour avoir les sciences fortes, là, le SE. Mais disons, on a même un problème parce que le lab techno, c'est pas gigantesque, là, puis il ne peut pas avoir trois personnes là-dedans en même temps. Fait que ça a fait qu'on a des petites congestions là, de planification de laboratoire assez compliquées. Pour que tout le monde réussisse à venir se pratiquer pour assez, là, quand même. Puis ça prend de la surveillance aussi, ces machines-là, puis tout. Mais en tout cas, c'est un beau problème, là. Fait que SCT, beaucoup, mais on a quand même de la chimie puis de la physique aussi, mais les SCG, là, en distance, on n'a pas eu. Mais je ne suis pas sûre qu'on va les offrir non plus, parce que nous autres, la direction, présentement, là, ils travaillent à resserrer un peu les règles, là, parce que les élèves à distance... Je pense un peu que c'est magique. Là. Je m'inscris à distance, je travaille chez nous, là, mais ils ne sont pas vraiment faits pour ça. Fait que si, mettons, ils ont 6-7 sigles à faire, ils ne mettront pas. Ils vont insister beaucoup pour qu'ils viennent de toute façon. Il faut qu'ils viennent faire des laboratoires. Donc, ils sont
sais, généralement, ils sont capables quand même de se déplacer au centre. Fait qu'on insiste pour qu'ils s'inscrivent en présence le plus possible. Quitte à avoir un horaire un peu réduit, puis à travailler aussi à la maison. Ben oui, parce que si on aime mieux qu'ils viennent quelques heures, mais qu'au moins on les voit en personne, puis qu'on... Et un suivi, là. C'est plus facile. Tant mieux si vous avez des gens. Tant mieux si mais ça veut dire oui, que le service il est là pour quelque chose. Ah oui, c'est juste, je voulais dire qu'en sciences, c'est la formation à distance qui fonctionne le mieux de toutes les matières par rapport à français, maths, anglais. Là, c'est vraiment là où on a le plus gros taux de finissants, là, de gens qui se rendent au bout puis qui finissent. Là. Fait qu'on voit que ça fonctionne quand même assez bien. Là. Puis, je vais juste finir sur une note positive pour les SCG aussi, parce qu'on dit, ah, les élèves vont faire ça, c'est comme pas nécessairement intéressant pour eux autres, mais en fait, on a quand même plusieurs adultes. Tantôt, j'ai deux, trois, mais tu sais, depuis le début de l'année, c'est quand même un nombre pas si mal là, d'élèves qui sont contents de venir faire des sciences. C'est un petit peu prestigieux. Tu sais, des fois, ils n'auraient pas pensé dire, je vais me rendre un jour à faire des sciences, puis ils vont pas nécessairement faire le sciences de 4, mais... Ils viennent faire le SCG quand même parce que, mettons, ils ont 30 heures de maths ou. Ils trouvent ça. Tu sais, c'est ça, je leur dis, ben, fais aller, amuse-toi, là. Prends pas trop ça, là, comme stressant, là. Puis là, quand ils font les tests avec les aliments, les couleurs, c'était vraiment quasiment émouvant, là, de la voir triper, là, avoir apparaître les couleurs. T'sais, jamais fait ça de sa vie, là. Fait que je trouve que c'est quand même plaisant pour eux autres comme cours de toucher à plein de petites choses comme ça. Là. Fait que c'est pas négligeable. Là. Ça peut ouvrir la porte là, des fois. Peut-être que quelqu'un n'aurait jamais pensé y aller en sciences, puis finalement, ben ça peut être par là qu'il va se prendre goût. Là. Tout à fait. Puis tu dis c'est le fun pour eux, mais c'est le fun pour nous aussi comme enseignants. Ça fait changement des mathématiques. Hugo, merci Patricia. Hugo? Oui, bien, dans le fond, c'est pour faire un petit peu de pouce sur ce que Patricia vient de dire. Là. Nous, on a eu une discussion en début d'année là, quand on a commencé à implanter les cours avec les conseillères en orientation, à savoir, est-ce qu'on met le premier cours, à tout le moins le SCG 4059, obligatoire à tous, donc il n'y aurait comme pas le choix d'en faire au moins un, pour justement, tu sais, ceux qui n'ont jamais fait de sciences, qui lui goûtent une première fois. Qui, en plus, ce cours-là, à mon avis, moi, je suis un gros fan de bio, là, j'aime bien ça. Fait que, ça, je disais à la conseillère d'orientation, c'est un cours qui est vraiment concret sur l'être humain. T'sais, on apprend plein de choses. T'sais, juste les valeurs énergétiques et nutritives, là, on en voit partout de ça. Puis, bon, OK, je sais à peu près ce que ça veut dire, mais pas tant que ça. Puis, les glucides, les lipides, c'est quoi ça? Comment je fais? Puis, fait que, c'est plein de choses qui sont vraiment pertinentes dans la vie de tous les jours. Qui, en effet, je me souviens plus, je pense que c'est Frédéric qui disait ça tantôt, on pourrait passer à côté en disant « Ah, oh, ben non, je vais aller faire les cours d'informatique à la place. » Bon, OK, peut-être que si tu n'en as pas besoin, ça se peut que ce soit peut-être un petit peu plus simple, entre guillemets, mais moi, je pense que ils vont goûter aux sciences, puis peut-être qu'ils vont découvrir qu'ils aiment ça, finalement, puis ils vont peut-être voir « Ah, ben c'est pertinent d'en faire, puis finalement, j'aime ça, je veux le faire. » Ou dire « Ah oh, non, finalement, les sciences, moi, j'ai vraiment trop... » comment je dirais ça? T'sais, j'aime pas ça. Fait que j'en ai fait un cours, j'y ai goûté, je sais ce que c'est à peu près. J'aime pas assez ça, je m'en vais en informatique. Fait que ça a été une idée lancée. Moi, je pense que ce serait une bonne idée, mais en tout cas, là, c'est les parcours des élèves, on veut pas jouer trop avec ça. Les principes andragogiques et leur choix. Exactement. Mais ça a été lancé, puis je dis pas que c'est encore une idée qui est abandonnée. Là. Je sais qu'il y avait une conseillère qui était 100% d'accord avec moi. Malheureusement, elle est partie en congé maladie, donc ça a tombé un petit peu dans l'œuf, ce combat-là c'est mort dans l'œuf plutôt. le combat qu'on avait amené pour ça, mais je crois qu'on va peut-être relancer l'an prochain pour peut-être que justement quand les conseillères vont rencontrer les élèves, leur comme vendre un petit peu. Vendre, ouais, c'est ça. Sans mal science, le rentrer dans la gorge, là, mais, ouais, c'est ça, exactement, mais le conseiller fortement. Oui, exactement, pour que tout de moins, ils goûtent à faire des expertises, juste aller en laboratoire, si tu n'en as jamais fait ou prêt, les élèves qui ont fait des cheminements particuliers, FPT, FMS, des trucs comme ça, des fois, ils n'ont pas la chance de faire des cours de sciences, puis d'aller dans les labos, puis de voir ce que c'est, puis de voir concrètement quelque chose de scientifique, là, ça pourrait être bien intéressant. Fait, moi, je pense que ces deux cours-là, ben, à tout le moins, le premier devrait être une option non négligeable. Là.
Merci pour cet éditorial fort pertinent. Non, je trouve ça vraiment intéressant. Puis des fois, je pense que c'est une question d'approche, hein, parce que Hugo disait qu'ils en ont beaucoup, eux, mais c'est probablement juste la façon qu'ils présentent le cours. Peut-être que ici, je sais que où j'étais, on a une approche beaucoup de faire un parcours pour que les élèves prennent le moins de temps possible. C'est souvent la seule priorité. Fait que c'est sûr que, puis d'ailleurs, il y a le CLE qui n'aide pas aussi avec ça, en nous mettant de la pression pour que les élèves sortent le plus vite possible et non pas qu'ils sortent le mieux outillés possible. Mais fait que ça dépend peut-être juste de l'approche en haut. Là. C'est sûr que si on dit à l'élève, en partant, si tu peux faire informatique, ça va te prendre tant d'heures. Tu peux faire science, il va falloir que tu viennes ici 3-4 fois, il va falloir que ça va te prendre tant d'heures. Les élèves ne penseront pas au contenu, mais c'est sûr que le pire, c'est que science, ce qui est intéressant en plus, c'est peut-être l'endroit où ils peuvent aller chercher le plus de contenu qui sort du contenu pédagogique qui peut leur être utile dans la vie de tous les jours. Puis c'est en tant qu'enseignant, c'est entre passer le message, ça vaut-il la peine de prendre un petit peu plus de temps pour ça? Puis l'autre chose aussi, on disait tantôt là, au niveau des diplômés, tout, hein, moi, ce qu'il y a aussi comme réalité, je disais qu'on avait beaucoup de clientèle, la SCT 4063, SCT 4064, mais le problème aussi avec ces longs parcours-là, c'est que ça doit être partout la même chose, j'imagine. Là, nos élèves s'aperçoivent le 5 janvier que finalement, ils ont besoin de deux cours de sciences pour le cégep avant le 14 février parce que sinon, ils se font mettre dehors. Puis ça, c'est classique année après année. Fait que ça devient toujours des parcours qui viennent faire les labos à course et tout ça. Fait que c'est dur aussi dans ce contexte-là de développer des connaissances d'un cours qui est fait en un mois et demi à l'accéléré juste pour venir chercher le 60 finalement. Merci pour ces différents partages et réflexions. On avait un ou en tout cas deux derniers points à l'ordre du jour. Sylvain, Micheline, t'avais-tu une main, excuse-moi? Je voulais juste rajouter une idée. Je sais que dans un de nos centres, j'ai parlé avec un prof, puis elle avait suggéré de combiner le 40-59 avec le 62 comme de passer de un à l'autre. Ça faisait un beau cheminement. Puis elle le vendait tellement bien à ses élèves qu'elle avait comme une bonne, elle avait une bonne 25 élèves. Mais eux autres, ils enseignent magistral. Fait qu'ils ont 25 élèves qui ont passé du 59 au 62. Puis c'était c'était un projet de pilotage. Puis ça a bien fonctionné. Fait que oui, pour le vendre bien, peut-être c'est comme un genre de petite préparation, tu sais, avant d'aller en 62. De toute façon, les deux sont nécessaires pour la graduation, fait que ça se vend plus vite ou bien mieux. Je ne sais pas si c'est faisable chez vous, mais je sais qu'ils ont essayé ça dans un des centres dans le secteur anglophone, puis ça a super bien fonctionné. Juste une idée. Merci, merci de ce partage. On avait un dernier vrai point avant la publicité pour le 23 avril. Sylvain, projet tablette graphique. Ouais, ben je vais en profiter. Tu es venu faire une petite annonce dans mon après-cours de FAD. Non. Je peux prendre une seconde. Vas-y. Capsule, je ferai un petit retour. Je n'y ai pas pensé tantôt, mais c'est parce que je trouvais ça intéressant. Je pense qu'on en avait parlé même lors de l'après-cours de FAD. Là. Mais c'est parce que ce qui peut être intéressant aussi de développer ces capsules-là, c'est qu'une fois que la vidéo, il y a quelqu'un aussi qui a mentionné qu'il en développait là, sans pas de son. Mais c'est facile là, maintenant de n'importe qui peut prendre ces capsules-là et rajouter là, du contenu, puis surtout du contenu interactif. Parce que je voyais l'exemple que tu as mis là, qui datait déjà de 10 ans, puis c'est incroyable en 10 ans comment la technologie nous permet de faire tellement plus. Puis il y en avait un que je trouvais intéressant parce que c'était essentiellement dire trouver les 15 erreurs que je ne me rappelle pas du nom de la jeune fille là, fait dans son. Puis je trouvais ça intéressant comme idée. Je pense que je t'en avais parlé l'autre fois, justement. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a des possibilités qui permettent, on pourrait avec un Head Puzzle ou dans Moodle HP5, on peut facilement, parce que juste une vidéo que les élèves vont regarder sans rien lui demander, c'est difficile de savoir s'ils vont vraiment le faire, mais avec ces outils-là, c'est facile là, d'intégrer juste des petites questions, là, même si c'est des questions faciles, juste qui nous assurent qu'ils l'ont vraiment regardé, puis qui sont vraiment au moins concentrés pour être capables de répondre à la question. Puis ça, tant qu'à moi, c'est complètement indépendant de la production de la capsule. Là, on pourrait produire des capsules, puis chacun de son côté pour intégrer aussi des questions selon leur goût. Parce que je pense que ça peut se faire, je disais HP5, ça, je pense dans l'univers, Office,
pas Office, ça, Teams. Ça, je pense que ça peut se faire par Sway, là, si je ne me trompe pas. Là. Puis ça doit se faire dans, je sais pas, à quelque part dans Google Classroom aussi. Là. Je sais pas si ça peut rentrer dans ton mandat, Sylvain, mais en tout cas, nous, ça nous ferait plaisir de te fournir les roughs de notre... Non, mais notre... Ben, oui et non, parce que ça, c'est l'autre chose aussi. On parle de, tantôt, on parlait, oh, nous autres, on a un sigle, mais c'est, puis je disais, la difficulté de produire du matériel, mais c'est peut-être ça aussi. Là, si on est chacun un sigle, chacun dans 52 centres de services différents, il y a peut-être des choses qu'on peut combiner. C'est le but de la communauté, d'ailleurs, aussi. En tout cas, c'est, nous, on va faire les... On va avoir deux équipes, là. Ça a donné de même, mais les gars vont être dans l'atelier, les filles vont être au labo. Puis on va... d'un côté, on va axer plus technique, sécurité, atelier. De l'autre côté, plus manipulation, sécurité, laboratoire. Donc, on va voir ce qu'on va avoir le temps de faire en 3 heures, là. Mais... On pense faire plusieurs courts clips de 30 secondes, justement, souvent muets, pour, ou c'est facile de rendre muet, là, mm-hmm. Pour possiblement ajouter des questions comme ça, mais à la base, déjà, s'il y a une vidéo qui accompagne la procédure, qui est déjà dans la boîte à outils RP de toute façon, mais c'est déjà bien. Là. Fait que oui, ces vidéos-là pourront être... pimpé par... Mais je pense que ça fait vraiment un gros plus de les rendre, juste le fait de les rendre interactives, comme je disais, là, même si c'est des questions banales, là, juste des questions évidentes pratiquement, là, qui sont mentionnées dans la vidéo, comme ce que tu places à la fin, ça peut être même, je parle spécifiquement formation à distance, on lui demande de remettre des travaux, faut plus dire le mot devoir, là, souvent c'était des activités notées, mais il pourrait avoir des questions intégrées aux capsules, comme dans le fond, juste finalement pour s'assurer qu'ils ont vraiment, qu'ils en ont tenu compte, qu'ils ont vraiment consulté. Parce que c'est ça le problème avec du contenu partagé en vidéo aux élèves. Souvent, ils ne le regardent même pas. Fait que, moi, j'avais l'expérience... Ouais, en formation à distance. Ouais, ben, j'avais l'expérience avec Loom. C'était intéressant parce que tu envoyais quelque chose à un élève. Et puis comme moi, je peux voir le nombre de personnes qui l'ont regardé, mais des fois, tu peux voir carrément qu'il y a 0 personnes qui ont regardé. Fait que tu passes un bout de temps. Fait que de mettre du contenu qui demande d'élèves une rétroaction, mais ça les force, entre guillemets, à en tenir compte. Absolument. Absolument, je pense à Hugo qui ont leur Moodle, là, c'est encore plus pertinent, tu sais, quand tu as l'infrastructure qui fait que ça peut s'intégrer parfaitement. Là. Mm-hmm. Tout à fait. Tu voulais nous parler de tablettes graphiques aussi, Sylvain? Ben, en fait, ce que je veux juste, c'est pas long, de toute façon, là, c'est pas, j'ai pas rien à présenter comme tel, c'est juste que je travaille sur un projet de répertoire, surtout c'est parce que des tablettes graphiques, là, puis quand je parle tablettes graphiques, moi je vois large, là, je parle autant les tablettes iPad, Surface, tout ça, autant que les petites tablettes, là, pour ceux qui connaissent les produits Wacom, les tablettes écrans et tout ça. Là, parce que je pense que spécialement en maths, sciences, c'est de loin les endroits où ça peut être le plus utile. Puis je pense pas que c'est nécessairement... Moi, j'ai toujours en formation à distance, je me sers de ces outils-là depuis à peu près 10 ans, mais je pense pas que c'est seulement en formation à distance. On parlait de produire des capsules vidéo, mais je verrais facilement, là, on peut produire une capsule où on monte la dilution, mais on pourrait intégrer aussi ensuite, un exemple du calcul avec les résultats qu'on a obtenus, puis de pouvoir écrire et tout ça, ça peut être pratique. Fait que moi, essentiellement, ce que j'ai besoin, c'est juste des retours sur des personnes qui utilisent des tablettes graphiques. Fait que je veux faire un répertoire, mais évidemment, je n'ai pas la possibilité d'utiliser, de tester tous les modèles possibles et imaginables, de connaître les forces et les faiblesses. Fait que c'est pas nécessairement même pas d'avoir une démonstration, c'est juste d'avoir un contact, là, dire que je puisse contacter la personne là, rapidement, là, juste pour voir c'est quoi les avantages, les inconvénients qu'elle a constatés avec tel type d'outil. C'est sûr que je vais partager ça à la suite. Là. Justement, je sais que il y avait des récits MST là, qui semblaient avoir un intérêt là, pour ça. Puis, là, je pense à Hugo, là, je pense que c'est Julien qui me disait qu'au Samar, justement, là, qui s'était procuré, là, je ne sais pas s'il faudrait que je oui, je sais pas si toi, tu es au courant de ça, là, qui s'était procuré une Wacom One, puis que l'idée, oui, c'était éventuellement qu'on allait peut-être en acheter d'autres. Là. Exact. Oui, en effet, pour les différents enseignants FAD, présentement, on a acheté une seule Wacom qui se partage là, pour faire comme des essais. Pour ce qui en est de maths sciences, je vais parler des dossiers qui m'intéressent. À date, mon enseignante a clairement dit que c'était un outil, en effet, très, très efficace. Il faut juste s'approprier aussi. Nous, on travaille avec OneNote. Là, donc, là, elle m'a dit, ouais, c'est comme, il faut que je m'approprie OneNote et la Wacom en même temps pour faire en sorte qu'il soit un outil efficace. Mais elle m'a dit,
c'est sûr que c'est un gros oui. Fait que je pense que ça va être essentiel. Je dirais OneNote. Oui, on peut se l'approprier pour aller chercher tout, mais on peut s'en servir directement de OneNote sans nécessairement le connaître. Là, c'est plus pour aller chercher des outils spécifiques. En tout cas, je voulais juste présenter ça. J'ai mis mon courriel, je pense, dans le document collaboratif. C'est sûr que je vais partager ça, mais moi, je pense que c'est des outils. C'est pour ça que je veux le partager. Là. Je vais vraiment faire ça dans le courant du mois de mai. Parce que je pense que c'est des outils sous-utilisés. Là. Puis ce n'est pas spécifiquement pour la formation à distance. Fait que j'ai mon courriel là, d'ailleurs. Moi, je ne vais pas dire ça. Mais si, plus à court terme, là, si vous voulez des informations, là, ça, je peux vous en donner. C'est juste moi, ce que je veux faire, c'est aller chercher des détails sur le plus de modèles possibles pour être capable de faire un choix là, plus. Fait que si vous voulez me contacter avec ça, gênez-vous pas. Ça ne me dérange pas de parler de Bébel. Il y a peut-être Adeline aussi qui va t'écrire. Ça. Peut-être Adeline qui va t'écrire pour savoir les modèles qui existent. Sinon, il y a les achatiques. Il y a 2 ans, il y avait certains choix de faire. Oui, mais les achatiques, la différence, c'est que là, c'était du matériel qui était supposé être destiné aux élèves. Là. C'est le plan, en tout cas, c'était pas clair. Là. Du matériel qui était destiné à être utilisé seulement par l'enseignant, ça semblait être comme en dehors de tout ça. Là. Super. Donc, ça va peut-être changer avec le la seule chose aussi qui est tannant, par exemple, de ces choses-là, c'est que c'est du matériel à l'origine qui n'est pas prévu pour l'enseignement. À part peut-être les iPads, mais même les iPads, les applications d'enseignement, je pense que c'est plus souvent pour au niveau primaire qui sont ciblés. Sauf que, comme là, ça sert de plus en plus au niveau éducatif, c'est possible qu'il y ait plus de choses qui soient développées là, pour le voir plus en termes de comment on peut se servir de ça au niveau éducatif et non pas juste pour faire des dessins et des choses comme ça. Fait quand on va chercher l'information en ligne, le problème, c'est que l'information est faite vraiment pour des gens qui font du dessin. Fait que c'est pas nécessaire d'être acheter la tablette la plus chère qui est là parce que les outils qui sont là ne serviront pas là, pour l'enseignement là, essentiellement. Là. Super, merci Sylvain. Donc, si jamais vous utilisez ça dans vos CSS, n'hésitez pas à lui écrire pour faire part de vos expérimentations, que ce soit vous en ligne ou vous hors ligne qui écoutez ça en différé, en balado même, grâce à Richard qui nous met ça en balado. Je vois une main, Patricia? Ah ben, j'allais dire, nous, on a des Wacom, là. C'est ça, Wacom? Ouais. Mais il y en a pas beaucoup qui s'en servent. Je pense que le problème est plus sur les applications quand on s'en sert justement de celle qui est la plus conviviale puis qui est plus facile après de transmettre à l'élève. Parce que souvent, après y avoir expliqué, ben, l'élève, lui, parce que je voyais que souvent, il y en a qui se prenaient des notes. Là, je disais, hey, prends pas de notes, je vais te l'envoyer après, là, quand tu vas pouvoir leur. Mais c'est pas évident là, de trouver une bonne application qui est facile de leur envoyer, je trouve. À moins que nous, on n'ait pas eu de bonnes suggestions. Non, mais, là. Juste, Hugo mentionnait tantôt OneNote, là, parce que OneNote, simplement, c'est si tu es en train d'écrire dans OneNote, tu fais un clic droit avec la souris, tu as l'option exporter en PDF. PDF, puis là, à partir de là, c'est juste de le sauver à un endroit que vous pouvez le retrouver, là, mais. En général, c'est relativement. Désolé, là, François, là, je fais dériver ton apéco de science sur du techno, là, c'est sûr. Mais dans OneNote, j'étais allé voir, je trouvais que je n'avais pas autant d'outils comme. À moi, c'est parce que j'ai mal vu, on n'a pas eu de formation pour dessiner. Par exemple, si je fais une explication en mathématiques, là, on est en sciences, mais en maths aussi, des fois, là, je me dessine. Mettons un triangle, puis là, tu vas aller dessiner la hauteur, puis ça, puis tu vas utiliser des lignes, puis tu sais, c'est sûr que ça, j'utilise Paint parce que je suis plus rapide, puis ça va vite, puis je fais la même affaire, j'enregistre le PDF, puis je l'envoie après, mais non, puis dans Word, je sais que je peux m'enregistrer. Il y a comme une fonction, tu peux enregistrer pendant que tu parles, puis tu expliques, puis ça fait comme une petite vidéo. Bon, c'est... Nous, on utilise l'iPad à distance présentement, à cause de la crise sanitaire, puis OneNote. Puis on écrit directement dans le bloc-notes de classe de l'élève, dans OneNote. Ça reste, fait que l'élève y a accès après. Puis pendant l'explication, on partage l'écran de notre iPad. Fait qu'il n'y a pas de choses envoyées, là. Tout est là. On l'écrit qu'une fois, il n'y a rien d'autre à faire. Là. On crée une page dans OneNote, dans le bloc-notes de classe de l'élève, puis c'est fait. Ouais.
Mais est-ce que ça vous arrive d'enregistrer votre voix aussi pendant que c'est peut-être moins nécessaire, mais des fois? Oui, on peut enregistrer la faire une vidéo. Non, en fait, moi, je trouve que c'est génial là, parce que tu peux faire ça, tu l'envoies à l'élève après, puis l'élève a accès à ça là, plus tard, en autant que l'élève est conscient là, que c'est enregistré, là, évidemment. Là, mais... Ben, il n'y a rien envoyé. C'est enregistré dans la conversation. C'est déjà partagé. Dans Team. Si on est dans une conversation dans Team, on écrit dans OneNote, dans le bloc-notes de classe de l'élève. On y écrit une page, puis ça reste là. Il y a accès n'importe quand. Il n'y a rien à transférer. Tout est dans Team, tout est dans OneNote. Puis dans OneNote, il y a des options de dessinage. On peut faire afficher des quadrillés, des axes. Sur l'iPad. Des vraiment... outils mathématiques aussi. Oui, ouais, c'est vraiment facile. Oui, mais personnellement, les outils mathématiques OneNote, c'est ce que je disais tantôt. Là, presque tous ces outils-là, présentement, c'est pensé en termes de dessin. J'ai espoir que ça va changer assez rapidement parce que, étant donné la conjecture, ben ça, c'est des outils. Puis les compagnies eux-mêmes voient la possibilité là, de se servir de le matériel en éducation. Fait que probablement qu'ils vont avoir intérêt. Ça fait longtemps qu'Apple fait ça, là, mais... Apple, c'est quand même assez... C'est dans l'univers Apple que c'est difficile de sortir de là aussi. Là. Merci beaucoup. Quand vous dites les outils mathématiques, vous pensez à quoi? Parce qu'en géométrie, il y a moyen de forcer un cercle, il y a moyen de forcer un carré, de forcer un rectangle, de forcer un trapèze là, dans OneNote. Il y a aussi l'écriture là, avec les exposants, tout ça. Là. Il y a un petit bouton outils mathématiques pour vraiment les symboles, si on veut. Là. Ouais, mais c'est vraiment long d'utiliser ça. Là. Tout à fait, si vous êtes à la main. On tout le temps avec un petit crayon bien simple, qui coûte 5 piastres, puis ça va super bien. Tout à fait. Ben, merci pour votre écoute. Ben, merci, nous aussi, de notre côté, c'est plus les iPads là, qui sont... plus versatiles, je dirais, là, qui peuvent se promener autant en classe que dans les mains de l'élève, que pour la formation à distance. Le clavardage, il y a plein de choses qui arrivent, là, mais si vous reculez de 4 conversations, de 4 messages, là, je le partagerai dans le Moodle FGA, mais j'avais partagé il y a 2 semaines, je pense, une première version d'une vidéo concernant l'analyse technologique d'une 50aine de minutes. Avec un guide d'analyse, un genre de laboratoire qui venait avec. Mais là, Julie, je pense que c'est dans la région de Frédéric et Sylvain, là. Je pense que c'est à Saint-Jean. C'est pas vous, c'est pas Saint-Jean. Oui, c'est Saint-Jean. Oui, Frédéric et moi, on est à la même place. C'est ça. Mais en tout cas, Julie Perrault-Malo au secteur jeune a développé ça. Donc, c'est 40-63, des fois c'est 40-60 un petit peu, mais là c'est une version 2, donc des nouvelles analyses. Si ça vous intéresse, c'est disponible dans le clavardage et ce sera disponible dans Moodle FGA prochainement, tout comme le pré-test SCG 40-60 développé par Jessica Secteur Anglophone qui présente un shadow pour puiser de l'eau, là, une machine simple assez intéressante à faire fabriquer. Donc, partage à venir prochainement. Sinon, 9h57, je prends quelques minutes là, pour la même publicité, là, mais notre prochaine rencontre officielle est le 18 mai à 13h30, mais avant ça, le 23 avril à 9h, on a là, une petite formation, je ne sais pas si on appelle ça un webinaire, formation ou discussion là, autour vraiment de comment rédiger des réponses de tâches complexes ou comment faire rédiger à nos élèves des réponses de tâches complexes en sciences, c'est-à-dire expliquer telle chose. OK, mais comment je m'y prends? Et Laurent Demers, qui est un spécialiste de la chose, il a fait beaucoup d'ateliers pour ça, mais en français. Donc là, on va le transposer en sciences, c'est-à-dire d'utiliser la séquence explicative et la séquence justificative. Des choses que nos élèves utilisent en français de secondaire 3, bien là, on va pouvoir nous pousser dans le même sens que nos collègues en français pour arriver à ce que l'élève ait une structure dans sa réponse. OK, je vais nommer l'objet d'explication. Je vais ensuite nommer la chose et le détailler. Un premier aspect, deuxième aspect, etc. Bref, on vous présente ça et on en discute aussi
le 23 avril à 9h. Si vous ne pouvez pas être là, ça va être enregistré. Il y en a qui ont déjà dit, on est en rencontre d'équipe, on va tout le monde écouter ça. Là. Bref, au plaisir de vous y voir. C'est ce qui complète la rencontre d'aujourd'hui. Merci à Hugo pour les notes. Merci à Richard pour ton point et ta présence fidèle. Merci à vous autres aussi d'être fidèles au poste. Et je vous dis à soit le 23 ou le 18, comme vous voulez. Bye tout le monde!